Yo tout le monde, c'est Chaco, on se retrouve pour une vidéo sur Star Wars Old Republic. J'espère que vous allez bien. Alors je fais une nouvelle série, un nouveau let's play, on va appeler ça comme ça sur Star Wars, donc le MMORPG. Et on va commencer. Alors moi je vais aller du côté de la République parce que pour l'instant j'ai fait que des méchants. Je vais aller, moi je propose qu'on prenne, c'est quoi la différence? Je vais prendre un chevalier Jedi. Ouais, chevalier Jedi. Suivant, prendre un mâle. Alors race, j'ai un peu toutes les races, c'est le compte à mon frère, donc il avait bien monté les trucs. Qu'est-ce que je peux prendre d'intéressant? Un Twi'lek, est-ce que je prends un Twi'lek? Un humain? Ouais, humain c'est un peu classique, non? J'ai un perso comme ça, je vous le montrerai. Alors je vais faire du Star Wars, je fais ça en attendant de pouvoir, enfin je vais en faire après, mais je fais ça surtout en attendant, pardon, de pouvoir faire du LOL parce que je peux pas record pour le moment à cause de tous les problèmes liés au nouveau patch. Eux ils font trop peur. Alors attendez, je dois couper la vidéo 2 secondes. Heureux. Alors excusez-moi, c'est qu'il y a des travaux chez moi, donc j'ai dû faire un petit truc. Alors quelle race je vais prendre? J'ai bien envie de prendre un Twi'lek. Merde, c'est pas là, Twi'lek. Sauf que les hommes ont une sale tête. Ouais, je vais pas prendre un Twi'lek en fait. Miralan, ils sont comment? Vert. Chiss, ils sont bleus. Tiens, je vais prendre un Miraloka, ça me paraît bien ça. Ouais, un Jedi, vu qu'il voit rien. Je consacre ma vie à servir les autres. Je consacre ma vie à servir les autres. Alors, je vais pas prendre le méga mastoc, je vais prendre un gars de taille à peu près normale. Tête. Alors, on va regarder de plus près. Rambeau. Ça me paraît bien celle-là. Cicatrice. Bon, il a déjà des trucs sur les yeux, peut-être pas lui en rajouter, hein. Ouais, je vais rien lui rajouter, 0 cicatrice. C'est un warrior, tain. Ah ouais, ah, je vais essayer de faire un truc assez sombre. Un teint sombre, hein, pas une couleur de peau. Pour faire genre, il est. Tu sais, c'est un Jedi, mais il est un peu dark. Ouais, comme ça. Ouais. Masque! Oula, putain, il y en a plein. Non, non. Oh, très moche. Super moche, méga moche, ultra. Ah, oh, ça c'est, on dirait cyborg un peu, mais. Désolé s'il y a un peu de bruit. C'est mon père qui fait des travaux. Oh putain, bah, je crois que c'est celui-là le mieux. Hein. Avec les morceaux de tissu devant la tête. Cheveux. Oh non, ça c'est très moche. Non, pas de crête. Ah, ça me paraît bien hein. Ce qu'il y avait là juste avant. À moins que je lui fasse une coupe bien longue derrière. Et ça. Non, on va lui mettre ce qu'on a vu tout à l'heure. Attends, je vais revenir de l'autre sens voir ce qu'il y a. C'est par là je crois. C'est cette coupe là. Ouais. Couleur des cheveux. Marron, brun, enfin châtain quoi, brun, voilà. Couleur de la peau, comme ça, un petit peu bronzé. Voilà. Bon alors, Shakur, comment on va l'appeler? Shakur, Shakur, Attila. Alors, ah merde, je me suis trompé. Attila. Je sais pas si ça prend 2 L, Attila. Attila. Non, ça prend aucun. Jouer. Non invalide. Oh merde. Chakour. Très pét. Chakour très vite. Ouais, c'est pas mal ça. Jouer. Non invalide. Ah merde. Bon bah, Chakour, ça risque de pas être bon, hein. Me dis pas qu'il y en a un qui s'est appelé Chakour très vite quand même.
Shakur. Bon bah, on va mettre un nom aléatoire, peu importe. Aknudi, Famskerer, Gendlas, Gadnun, Perdor, J... Bon voilà, Ijesuf. Non, je vais pas mettre ça, c'est trop dur. Zelmar, non, c'est nul. Silmad, Silmald. Ça me paraît bien ça. Allez hop, Silmad. On va s'appeler Silmad. Alors si j'ai décidé de faire ça, bah déjà c'est pour parce que en ce moment, lol, j'ai beaucoup joué, du coup je fais un peu une overdose, on va dire. J'ai réussi à monter platine, j'ai beaucoup geeké en platine, mais j'ai pas monté spécialement, je suis que platine 4. Du coup j'ai décidé de jouer un peu un autre jeu et de revenir sur Star Wars, parce que Star Wars bah, c'est mon MMORPG préféré malgré ses quelques soucis. Et donc voilà, on va faire un... Ah, ça fait plaisir de réentendre cette musique hein, pour tous les fans de Star Wars. Donc moi j'en suis un très très grand fan. Après le Seigneur des Anneaux, c'est ma saga préférée. Par contre bah, au niveau MMORPG, l'autre, Lord of the Ring Online, j'ai pas trop accroché. Bon, je vais vous laisser l'intro quand même. Alors les vidéos, la durée des vidéos, ce sera un peu aléatoire, ce sera suivant si je fais j'ai fini une mission ou ce sera vraiment vraiment aléatoire. Appuyez sur la barre d'espace. Donc on verra ça, ce sera peut-être 20 minutes, peut-être 30, peut-être 40, peut-être plus, j'en sais rien du tout moi. Titon 29. J'ai pris quoi comme race déjà? Ah oui, Miroslan, Miro. C'est le mal, c'est mal. Ça y est, j'arrive. Ah ouais, c'est vrai qu'au début on a pas un sabre laser, on a une vibro-lame. Par contre, ses oreilles elles sont pas que terribles, hein. Il y a des méga oreilles là. Bienvenue sur Titan, Padawan. Tout le monde a hâte de te rencontrer au temple. Tout... Ok. Si tout le monde a hâte de me rencontrer, bah... Tes anciens maîtres louent tes aptitudes au combat. Ils disent que tu es un expert en duel. J'ai de bons professeurs. C'est plus facile d'exceller lorsque l'on est entraîné par les meilleurs. Le Conseil Jedi va nommer un nouveau maître pour t'encadrer dans tes dernières épreuves. Tu devras passer des tests dont tu n'aurais jamais eu idée. Et lorsque D'accord. tu quitteras Titon, tu En tout sauras cas, ce ce que qui est sûr, signifie c'est que être c'est un plus Chevalier Jedi. difficile de devenir Et Jedi surtout, dans tu l'histoire te de Star connaîtras Wars. toi-même. Alors J'ai hâte commençons. d'affronter ces épreuves. De devenir Jedi que Rejoins-moi. Sith parce que Jedi L'inspecteur va c'est la voie la t'envoyer. plus dure, Une seconde. c'est Je plus reçois un difficile signal de choisir le d'urgence. bon côté que le côté obscur. Oh t'es beau toi. On dirait ceux que c'est comme les on dirait comme les gars qui jouent Des de la déchiqueteurs flûte là armés dans de Star blasters? Wars. Il doit se tromper. Peu Qu'il se importe, c'est trompe ou grave. non, ce Padawan se fait attaquer. Ils ne sont jamais arrivés aussi près. Les déchiqueteurs sont une espèce de natif hostile. Ils sont assez intelligents pour utiliser des outils et terriblement violents. J'envoie tous les Jedi capables de s'en charger au Moi terrain je lui prendrais d'entraînement bien sur le son champ, sabre, il a l'air et toi en stylé. particulier. C'est un honneur Indique-moi d'aider. la route, je me charge du reste. Rends-toi au terrain d'entraînement avec le speeder, repousse les déchiqueteurs, et regarde s'ils utilisent vraiment des armes avancées. Va! Dès que j'aurai prévenu le Conseil Jedi, je te rejoindrai. Tu as La comment pour Force sera avoir un... avec toi. Oh mon Dieu.
Pourquoi t'écris comme ça? Explique-moi. Aller dans le nuire en speeder. D'accord. Ah, attends, c'est où? Ok. Alors moi tu vois en fait ce que je fais quand je joue au MMORPG, c'est que je regarde un peu les sorts. Série d'attaques de mêlée. Où voudriez-vous les envoyer? Rapide, d'accord, et deux, inflige, fente. Ouais, c'est d'accord, c'est un peu comme le ravageur mais de l'autre côté. Donc je disais, moi quand je joue à un MMORPG, ce que je fais c'est que je prends toutes les quêtes possibles. Je sais pas si tout le monde fait comme ça. Toutes les quêtes possibles et je les complète et avant et je rentre ensuite. Oh, stylé. Les ténèbres sont omniprésentes sur Titan, mais les dangers que représentent les Narls. Nos nouveaux initiés doivent apprendre à reconnaître les ténèbres et le danger. Comme vous voudrez. Mais tiens, il y a des quêtes là. Ouh, ils sont là les déchiqueteurs. Prenons la quête, voyons ce qu'il va nous dire. Maître Relnex. Venez vite. Le terrain d'entraînement n'est pas sûr aujourd'hui. Par contre, je vais peut-être baisser un peu le son là. C'est pour ça que je suis ici. Le chevalier Weller m'envoie pour vous aider avec les déchiqueteurs. Je suis entraîné et prêt à me battre. Alors la force est avec nous. Peu de Padawan ici peuvent en dire autant. Les déchiqueteurs ont investi le terrain d'entraînement de manière organisée, en essayant d'isoler divers groupes de Padawan. On a perdu la trace d'un groupe d'étudiants dans les collines. Ils ne savent pas se battre. Je les ramènerai. Vous en faites pas. Ces Padawan rentreront sains. Ou par contre, je vais choisir le. En général, je vais choisir le côté du bien plutôt que le côté obscur, je pense. Parce que je suis un Jedi tout de même. Mais comme disait mon ami Warly, il y a un truc qui est mal fait dans le jeu, c'est par rapport au côté du bien. En fait, c'est tu choisis la bonne solution. Enfin, la solution, comment dire, gentille, mais pas forcément la solution juste. L'Iftra est sympa. Attendez, le son. Merde, fermé. Je veux pas de ça, moi. Préférence. Ah non, son. Activer le son. Fond sonore, c'est quoi? Ouais, mais ça, je m'en fiche. Bon, bah, en fait, c'est pas trop fort. C'est peut-être les musiques qui sont un peu fortes. Elle, ça, lui, ça doit être mon maître de quête. Bon, bah, allons-y. Attends, je dois... Un truc à ça, faut que je les fasse, je crois. Les gnarls. Alors, faut que je vainque 10 déchiqueteurs et trouve les élèves disparus. D'accord, allons-y. Bon, par contre, j'ai pas d'attaque énorme au début. Notre armée, toi. Je sais pas trop jouer avec les persos de mêlée, hein, je dois vous le dire. Viens te la mettre. Ah, ça me l'a pas compté. C'est genre de quoi? C'est des requins à moitié? Ils sont trop moches. Oh, venez vous la mettre, les coquinous. Je me suis fait comment ça s'appelle? Heya! Je prends tout, hein, je prends tout, je fais que la police. Attends, les trois là, ça va me suffire pour finir. Merde, je me suis trompé de cible. Hop, holo appel. Désolé. Qu'est-ce qu'il a vu? Le m'a tiré dans la jambe pendant que je sauvais un Padawan. Lui c'est un mètre lui. J'ai été évacué dans un centre médical mais la bataille n'est pas terminée. Je vais continuer. Je vais repousser l'ennemi quoi qu'il en coûte. Il faut les arrêter à la source. Un autre Padawan a trouvé un tunnel que les déchiqueteurs utilisent pour accéder à la vallée. J'ai besoin de toi au tunnel. Veille à ce que les déchiqueteurs ne reçoivent plus de renforts. C'est comme si c'était fait. Nous devons mettre fin à ce conflit avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Trouve le tunnel le long de la montagne. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec vous, maître. C'est le gars. Ouais. C'est quoi ce truc là? Il y a un truc qui me donne des quêtes. Ouais, je vais y aller. Putain, il y a un gars qui est mort? Sérieux? Ah ah ah, je te tourne autour. Allez, mon chat dans ta face, enfoiré.
Et encore, imagine si c'était un vrai sabre. C'est quoi ce truc là? C'est genre. Ah. D'accord, faut juste essayer de choper les cages. Oh. Allons vers là-bas. Parce que j'ai vu qu'il y avait une quête. C'est quoi ça? Bah, y'en a plus de quête. Ah si, y'a une cage là-bas. Oh, yeah. Bonus, vainqueur des déchiqueteurs. Bah vainquons-les, vainquons-les. Il a pas l'air bien en vie celui-là. Alors, on va sur le pont, on passe de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Holocron. C'est pas un datacron ça. Il y a les datacrons, c'est les trucs là qui te permettent de... comment ça, comment dire, de te donner quelques petits bonus de stats. Oh l'enfoiré, t'es vraiment un bâtard toi. Putain, ça me le compte pas comme ouvert. Ah quel enfoiré celui-là. Ouais, je vais te laisser les fights, moi. Pas cette fois, mon précieux. Pas cette fois. Ouais, je te libère, jeune apprenti. Alors, je sais pas par contre encore quel truc je vais mettre. Je crois que je vais mettre la branche dégâts. Donc, ça doit pas être gardien, ça doit être l'autre. Je sais plus ce que c'est, sentinelle, il me semble, mais je suis pas sûr. Eux, ça sert à rien de les attaquer. J'ai pas encore l'attaque pour leur sauter dessus. Ah, ils font l'aggro. Tiens, rira bien qu'il rira vers la fin. Eh ouais, mon con. Bon, je t'ai niqué. Y'a pas une cache par là? Non, et lui c'est un balèze, hein. Ah non, même pas. Y'a pas de cage là. Oh, qui c'est qui m'attaque? Oh, bah je l'avais pas vu lui. C'est des requins marteaux, moitié là. Voilà, coup de sable dans ta face. Alors pourquoi j'avais pas mis le sprint? Enfin, je touche un peu aux barres de raccourci, mais je ferai ça off stream, comme qui dirait. Une boîte, y'a pas une boîte quelque part là qui traîne? Là-bas. Allez, tente, prends ça. Enfoiré, mange de mon sabre. Je te fais des trous dans l'anus. Enfin, un deuxième trou, plutôt. Les musiques sont énormes. On sent bien l'univers Star Wars hein, en entendant ces musiques-là. Ce qui m'a vraiment plu dans le jeu par rapport aux autres, c'est le scénario en fait. Ils ont vachement bien scénarisé tous les personnages. Bon, en fait, tu sais, il y a la quête principale, puis il y a les quêtes secondaires, mais franchement, c'est vraiment bien fait. Donc, je vais tuer les derniers qui me restent à tuer. Là. Alors pour lancer les attaques en fait, à chaque fois que je fais des auto-attaques, ça augmente mes points là. Et ensuite j'ai la concentration, ça augmente la concentration, puis ensuite bah je peux lancer mes autres sorts. C'est quoi ces trucs là? Chamanka, c'est des chazas, bah putain. Donc là j'ai une très grosse... Putain, il y a une cage là-bas. Allons-y mes amis, allons-y. Ouf, lui... Il est tout petit. Ah
Faites toujours les. C'est pour ceux qui jouent, faites toujours les quêtes bonus et ceux qui vont jouer peut-être. Hein. Je vais peut-être donner envie à des gens de jouer. Faites toujours les quêtes bonus, hein, ça vous rapporte de l'XP, ça vous demande de tuer un certain nombre de mobs, en général c'est pas très dur. Hein. Merde, je suis passé trop vite. Et voilà, c'est fait. Accepté, plus 500. Alors voyons voir où je dois aller. Ah bah c'est juste en face. Un genre de grotte. Et ça c'est quoi? Tous les élèves. Ah bah j'y retournerai en rentrant. Je vais d'abord aller à la grotte. Ah. Hop, backflip. Enfin, Vibrograines. Alors, les membres de votre groupe peuvent vous aider s'ils ne sont pas de chevaliers déjà ou s'ils choisissent. Ok, ça je sais parce que bah, j'ai joué avec Warly, hein, il m'a dit. Vaincre les déchiqueteurs. Bah, vainquons-les. Déchiqueteurs ravagères. Ils font pas très cher depuis le début. J'attends juste d'avoir mon sap, par contre un vrai sap, pas une douille brûlable à la con. Ah, je crois que je l'avais tué. Oh, c'est pas grave. Je les ramène au même endroit. C'était all plane, baby. Ça tape fort le sort feinte là. Je vais me heal un peu après. Hop, un petit coup de heal. Bah je sens que je vais tous me les faire. Hein. Il va te la mettre toi aussi. Il y a quoi là-bas? Je regarde si on n'a pas un genre un mini boss et un truc qui vaut un peu plus d'XP. Ah, c'est quoi ça? Arrête ah bah de lutter, Padawan. Tu as signé ton arrêt de mort en entrant ici. Parce qu'il faut remettre de l'ordre et que tu es faible. Arrête ça immédiatement. Je vais laisser ce Padawan tranquille. Tu es dangereux. Tu as tué mes soldats. Il n'attaque pas, il purge. Et ce n'est que le début. Il purge. Je vous demande de vous rendre. Je ne vous veux pas de mal. L'ancien ordre est mort. Le nouvel ordre. Ah bah donne-moi ton sabre, hein, y a pas de soucis. Hein. Et coup de... Hop dans ta face, biatch. Hop. Uno Aro. Tout va bien. C'est qui lui? Il arrive après la bataille. La force soit louée, vous êtes tous les deux en vie. Cet homme n'est pas un Jedi. En tout cas, pas l'un des nôtres. Il a organisé l'attaque sur les terrains d'entraînement. Je voulais son sabre, moi. Déchiqueteur, ses soldats. J'avais prévenu le conseil que ces natifs n'étaient pas des bêtes stupides. En voilà la preuve. Effectivement, ils sont pas trop stupides. Enfin, ils ont pas l'air très intelligents. Ça me dit quelque chose. Donne-le-moi. Repousser tous ces assaillants avec un simple sabre d'entraînement. Impressionnant. Donnez-moi un vrai sabre. Je mérite une arme décente.
et mon ennemi n'a plus besoin de la sienne. Elle peut nous aider à découvrir. Alors un truc qui est bien avec les Jedi, c'est qu'ils sont pas obligés d'être modestes. Il faut qu'ils soient sûrs d'eux justement pour bien contrôler la force. Mais pas trop sûrs d'eux. Parce que si t'es trop sûr de toi, tu sous-estimes tes adversaires. Faut être sûr de soi mais pas sous-estimer. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà qui devrait les retenir pour l'instant. Étonnant. Je comprends pourquoi vous êtes un maître Jedi. Bah, t'inquiète, âge, bientôt j'utiliserai la force. Connaître quelques astuces. Pas encore. Comme Michel. Je vais t'emmener dans un centre médical. Tu sembles pouvoir voyager seul. Va faire ton rapport au Conseil Jedi. D'accord, bah je vais finir la dernière quête là, qui me reste. Je préfère rester. Nous avons des chevaliers Jedi qui repoussent les derniers assaillants. On a besoin de toi autre part. Je vais faire les dernières petites quêtes qui restent. À l'extérieur de cette vallée. Ta gueule. Tu trouveras le temple Jedi près de la montagne. D'accord. Je fais la dernière petite quête, je vais les rendre et je vais aller voir le temple Jedi et puis on va se quitter là. Je sais pas combien de temps de mission j'en suis, de vidéo j'en suis, parce que j'ai pas mis mon timer habituel. Donc aller au temple Jedi. Bon d'accord, d'ailleurs d'abord je vais rendre cette quête là et ensuite j'irai trouver le temple. J'aime bien mon perso là, le fait qu'il soit aveugle et tout, c'est assez stylé. Bah, par contre je sais pas si je vais pouvoir mettre des masques. De toute façon je les cacherai je pense les masques, je mettrai juste les capes à moitié, enfin les capuches. Donc voilà, c'est le mal. J'essaierai de vous mettre je sais pas combien de vidéos, on va voir une vidéo par jour peut-être, suivant ce que je tournerai. Et si ce que je jouerai, puis ça sera pas forcément sur le même personnage. Hein, j'alternerai entre celui-là peut-être et celui-là, je vous ferai toute l'histoire avec vous, l'autre je ferai peut-être plutôt des BG ou des zones de guerre, il dit ça comme ça dans le jeu, donc BG c'est Battleground, donc champ de bataille si vous préférez une fois, ah merde faut que je prenne le bon, avec l'autre c'est un soldat commando, donc j'ai joué hier, il est niveau 14 pour le moment, je vais sûrement monter ce soir, en fait je joue avec Warlinator, donc si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est dans les chaînes à aller voir sur la mienne. Donc vous avez juste à cliquer et cliquer, bande de salope. Non, je déconne, je m'appelle pas Marseille non plus. Par où j'y vais à leur truc là? Hop, bon, je vais monter par là. Ah, là. Padawan, Avitla. Comment va-t-il ? Il devrait se reposer dans le temple Jedi. Mais si tu veux continuer... Ah, un Zabrak, comme la même race que Dark Maul. Le dernier colto, s'il le faut. Bonjour. Oh, putain, les boobs qui est là. Quel plaisir de voir un autre Padawan vivant par là. Vous avez de la chance que ces créatures ne vous aient pas encore attrapé. Vous voulez parler des déchiqueteurs? Ils se cachent partout. Oh, pédale. J'ai même pas perdu la moitié de ma vie. Les déchiqueteurs ont interrompu notre épreuve. Je ne me suis jamais battu comme ça de toute ma vie. Bah, il va falloir commencer, hein. Là, c'est que le début. Été grièvement blessé. Je croyais que vous n'étiez pas formé au combat. Que les maîtres voulaient qu'il ne vous arrive aucun mal. Nous ne sommes pas des guerriers. Et puis, ce n'est pas digne d'un Jedi de chercher à se venger. C'est ton avis, Menos. Ce n'est pas ce qu'on a décidé. Formation ou pas, ce n'est pas un troupeau de bêtes qui nous empêchera de devenir des Jedi. N'a-t-elle pas raison? Non, elle a pas raison. Les Jedi n'abandonnent pas. On ne doit pas se venger. Elle se trompe. Souvenez-vous du code Jedi. Il n'y a pas de passion. Il n'y a que la sérénité. Voilà. Ça suffit, Menos. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous être utile. Aidez-nous à faire payer les déchiqueteurs. Vous rentrez maintenant. Une route dangereuse. Voilà. Vous devez rentrer au camp tant qu'il est encore temps. Mais on est si près du but. On ne les tue pas. C'est faux. Je vois que vous avez une balise de signalisation. Donnez-la nous et dès qu'on aura rassemblé nos affaires, on signalera notre position pour qu'on vienne nous chercher. D'accord, ça marche. Toi t'as un homme bien, enfin un Zabrak bien. Aïe.
Lui, il est sage. Pas comme la fille là-haut. C'est quoi ça? On se venge pas, c'est des créatures comme tout le monde, même s'ils sont un peu débiles et ils nous attaquent. On se venge pas. Faut faire la justice, pas la vengeance. C'est différent. Bon, je suis au niveau 3, je vais pouvoir apprendre quelques petits sorts. Combien j'ai de thunes? 1000, non, j'ai que 100. Bon, j'avance. Allez, venez vous la mettre, bande de salopes. Ah la vache! Oh, j'évite les coups de blaster. Merde. Oh putain, il arrive pas à prendre l'autre. Oh l'enfoiré, il est dans le décor, je peux pas l'attaquer. Faut que je le fasse avant, je sais. Je sais pas si là il peut m'attaquer. Bon tant pis, hein, je lâche. Il me suit pas. Ah, c'est un vieux bug, ça. C'est quoi ça? Coffre sécurisé. Bon, je me le tape, hein. Oh, cool. J'ai eu un truc, là. Vigueur. Je sais pas si c'est la vigueur qu'il faut que je monte, moi. Vigueur. Ah, si, c'est la vigueur. Ok, cool. Oui. Ah ouais, d'accord, j'ai un champ dans un combat. La balise a fonctionné et un speeder de sauvetage est en route. Ok. Ces Padawan vous offrent beaucoup. Les étudiants. L'un d'eux a été blessé. Vous devez envoyer un médecin avec l'équipe de sauvetage. Procédure standard. Ils sont entre de bonnes mains. Vous voulez sûrement reprendre vos épreuves. Merci encore, et que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous, maître. Alors, attendez, on va mettre le stuff un peu. Hop. Oui. Hop. Voilà, donc j'ai deux nouveaux trucs. Je vais apprendre les trucs qu'il me faut. Le maniement d'un saut de force, voilà, c'est ça que je voulais. Tient autant de la science que de l'art. On peut s'entraîner à tout moment. Bon, maintenant, où dois-je aller? Au temple Jedi, donc c'est par où? Par là. Ouais, c'est la bonne route. Je vais au temple Jedi et on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Toute première sur Star Wars The Old Republic. C'est mon papa. Je sais pas si vous entendez, j'espère que non. Bon, normalement, bon, si vous entendez un petit peu, ça doit pas être bien fort comme son. Déchiqueteur rôdeur. Est-ce que ça c'est le saut? Ouais, c'est nickel, c'est ça que je voulais. Je sais pas quoi ça sert là. D'accord, c'est exactement les mêmes sorts que sur les ravageurs. Je voulais juste tester, hein. Vaincre les rôdeurs déchiqueteurs. Ah bah ok, c'est parti, hein. 3. Hop, plus qu'un là. Hop, une petite mission tranquille. Je suis sur la bonne route encore. J'adore ce jeu. Bon, déjà c'est plutôt bien fait pour MMORPG, hein. Franchement, ils ont pas, c'est pas trop dégueulasse. On rame pas. Enfin, moi je rame pas en tout cas. C'est vrai qu'après une grosse session de jeu, mon ordi commence à chauffer. Je dois l'avouer. Mais il est plutôt bien optimisé. Les BG sont juste énormes. Pourtant je suis pas un grand fan de PVP, mais là franchement c'est vraiment super bien. Attends, je vais prendre le speeder là. Ok, aussi on a besoin. Hop. Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Ok, c'est pas où je dois aller. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter ici. Tourne-toi un peu toi. Voilà. Sur la tête de mon personnage. Merde.
On va s'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu. Puis bah on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ça c'est franchement c'est si vous voulez hein, faites comme vous voulez. Par contre je veux bien un j'aime et puis un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, des conseils, peu importe, parce que je dois l'avouer, je suis pas super bon au MMORPG hein. Je suis pas un noob, mais je suis pas non plus super bon. Je connais tout ce qui se passe dans les MMORPG, mais je suis pas un joueur exceptionnellement bon. Donc voilà, ciao tout le monde, à la prochaine.